Oui, bonjour, mon nom est Mike Romero et je suis avec Sancho de Cuba, que le Sancho pour la salsa. Yes, sir. Yes, sir. Pour un autre unboxing, celui de la Légion de Collectors. Oui, sous le thème de United League. Oh yes. Oh yeah. Donc oui, c'est la boîte de Legion of Collectors pour le mois de novembre. Novembre. Mais on n'a même pas encore fini les unboxings de l'horreur. Oui, on n'a toujours pas fini les unboxings de l'horreur. C'est ça, Yeri? Je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont juste tomber. Je voulais vous faire un unboxing, dégustation de Tokyo Treats. Ça a été plus compliqué que prévu. Ça prend tellement de retard. Ça paraîtrait seulement en décembre. Je vais la scraper. C'est sûr qu'on va faire Loot Crate. Elle est en attente. Je l'ai reçue. Mais je pense que ça sera la dernière. Donc, lorsque vous verrez Loot Crate, vous saurez que les unboxings de l'horreur seront finis. Donc, mais l'année prochaine, je recommanderai moins. C'est aussi simple que ça. Mais bon, là, on unbox notre première boîte du mois de novembre. Ce mois-ci, il devrait en avoir trois seulement, si je ne me trompe pas. Il y en a déjà une qui est en route, alors que l'autre m'a dit qu'il y a du retard. Donc, bon verra. Donc oui, Legion of Collectors, Unite the League, pour justement le film Justice League qui est sorti en novembre. On peut voir ici Aquaman à l'effigie de Jason Momoa. My man! Moi, le film, je l'ai vraiment aimé. C'est sûr qu'il y a du monde qui vont trouver des petites raisons de le critiquer et tout. C'est peut-être pas le meilleur film de l'été, mais sans doute l'un des meilleurs DC jusqu'à date, et même meilleur que certains Marvel, donc, dans mon opinion personnelle, voilà. Mais ne tardons plus, je vais vous montrer l'intérieur avant même de procéder à l'unboxing. Direct l'intérieur de la boîte, le t-shirt, il n'y a même pas le récapépette dessus. Donc, on commence avec le t-shirt. Justice League, voilà, je m'attendais à rien de moins qu'un t-shirt qui représente la Ligue au complet et non juste un personnage ou deux. Et voilà, Justice League avec Aquaman, Wonder Woman, Flash, Superman, Batman et Cyborg. Et pas de spoiler, on le sait tous, Superman revient dans Justice League. Donc voilà, très très bien. Les dessins sont pas très wow. Je trouve pas qu'ils soient ressemblants aux acteurs. Mais bon, un t-shirt Justice League, pourquoi pas. Continuons. Oh. Une paille. On va en avoir un verre maintenant. Oh, le pins de Justice League, Legion of Collectors. On peut voir Batman avec ses lunettes lorsqu'il conduit la Batmobile. Donc, oui, encore là, j'aurais peut-être préféré avoir le logo de la Justice League au lieu de seulement un personnage. Mais bon. Ah. Des notes adhésives avec The Flash. D'accord. Pourquoi pas? Ouais, c'est mignon, c'est mignon. Oui. Continuons. Il y a juste des boîtes. Ça doit être le verre qui va avec la paille. Ah, d'accord, oui, pourquoi pas. Un verre en plastique rigide.
il y a l'air d'être double, donc il y a de l'air entre les deux surfaces pour pouvoir conserver la température de la boisson. Très très bien. Oui, c'est un article qu'on retrouve rarement dans les box. Et Wonder Woman, donc pourquoi pas? Ils avaient spoilé un pop. Je dis bien un car il me semble en avoir deux ici. Donc c'est celui-là et c'est celui qu'ils n'ont pas spoilé et que j'espérais retrouver dans la boîte. Nous parlons de Steppenwolf, le méchant du film Justice League. Ouïe. Oui, très très bien. Oh oui, ça je suis très content de l'avoir. Donc j'imagine que l'autre est un pop d'Aquaman. Voilà. Mais avec les cheveux en bataille, avec de l'eau qui se soulève alentour de lui. Oui, très belle figurine. Par contre, si j'avais reçu seulement Aquaman, j'aurais été déçu. Ou Aquaman, un autre justicier, j'aurais été déçu. Mais le fait qu'ils aient inclus Steppenwolf, respect, la boîte est complète à mon avis. Et Aquaman est sans doute l'un des personnages les plus intéressants dans le film Justice League. Donc tant mieux, voilà. Et la box est vide. Donc, on a reçu deux pops, une tasse, des post-it, un petit pins et un t-shirt. Une boîte complète. D'après moi, on a quand même 5 articles et un t-shirt. Et deux figurines. Personnellement, ce que je préfère dans la box, c'est la figurine de Steppenwolf. Mais je veux savoir, vous, dites-nous-le dans les commentaires, quel est l'article que vous avez le plus préféré. Et, comme à l'habitude, si vous avez aimé ce que vous avez vu, lâchez un pouce bleu, souscrivez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et encore une fois, moi je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à la prochaine.